Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Feed the Patrick en compagnie d'Épée. Là, je suis en train de sourire complètement. Bon, malgré qu'on a l'appui là, il y a quelque chose qui est très sympa avec l'abeille que j'ai actuellement dans l'alvéari, c'est que en ne touchant absolument à rien sur vos commandes et autres, hein, vous vous faites décoller à plus de 50 blocs de hauteur. C'est quand même extra. Alors, l'abeille... Ah l'abeille en question, c'est celle-là. C'est la Spatial Queen. Celle-ci me... déjà, elle a une très longue vie. What? Ah, je crois que je vais décoller bientôt. Elle a une très longue vie, c'est qu'elle... déjà, elle butine longtemps, c'est très bien. Mais les effets particuliers, déjà, vous restez figé dans le sol. Vous ne comprenez pas pourquoi. Elle a une région de 11 par 11 par 15. Donc c'est quand même extrêmement grand comme territoire. Et principalement quand vous faites... Ok. Ah excellent. Je me suis fait dégager mais d'une vitesse. Bon là ça freeze un petit peu. C'est surtout l'appui. Ah d'accord. Il y a même un problème avec le computer. Je vais le redémarrer. Le terminer. Terminé, reboot. Voilà. Tac, on clique. Alors là, c'est en train de faire tout ce tralala. Moi, je retourne sur mon abeille. Voilà. Oh, et oh, doucement. Douce. Doucement. Je suis trop contente de sa taille. Bon, elle me fait pas de dégâts parce que j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais... Mais cette abeille-là, comme prank, je vous garantis qu'elle va fonctionner du tonnerre. Là, je vous le dis que c'est très facile. Alors, pour l'abeille en question que je veux faire, c'est la Quantum. On revient un petit peu dans la folie tranquille. C'est la Quantum Drone ou Princess. Donc, actuellement aujourd'hui, après un rollback de 2-3 heures, j'ai pu ravoir le gène abnormal hermétique. Du coup, j'ai pu commencer à voir le gène là, plus ce gène là. Alors là, je vais actuellement faire de mon côté ces deux gènes sur des abeilles complètement différentes. Je vais en faire deux ou trois d'avance pour éviter d'en refaire à la fois si dans les 5% je n'ai pas le gène. Hop, question. Si dans les 3 ou 4 abeilles, j'ai un drone... Ah, tu vas arrêter de me faire bouger. Si j'ai un drone et une queen de cette Quantum Queen, justement, ça me permettra de faire ma première production de quartz, mais elle me fait la quartz de celui-là, et elle me fait les underperles. C'est quand même pas rien que je puisse avoir des underperles. Bon, même si c'est que 25%, c'est toujours mieux que rien. En tout cas, j'aime bien cette abeille, hein, parce qu'elle est très pratique. J'ai eu le temps. Non, je l'ai pas eu. Hop, donne-moi là. Tuc. Ah là. Cette abeille a spatial quand elle est active, et elle a ender quand elle est inactive. Tous les deux ont gravity. Gravity, j'ai regardé ce que c'était. Gravity vous permet de vous faire éjecter de la ruche. Donc c'est quelque chose qui est très bien. Elle a une très grande région. Elle donne des 4 petits, plus la mer. Elle a besoin de roche quand elle est active ou non active. Elle a besoin de laine. Laine, c'est soit la endstone, soit l'œuf en question. Pollinérisation très lente. Travail très rapide et longue vie. Longueur, c'est très longue vie. Longue, c'est longue vie. Voilà. Et, oups, faut pas que je la perde celle-là parce que c'est ma seule. Donc... Quand elle travaille, là on voit pas les particules, mais quand elle... Voilà, j'ai eu un petit coup de freeze. Ah, je peux rentrer là-dedans. C'est pas du freeze serveur, hein, c'est du freeze à cause de l'abeille. Hein. C'est... Et bientôt je vais dé... Ah, je peux te dire, mais... Casse les couilles. Donc voilà, celle-là je la fais travailler longtemps. Je vais sans doute la faire tourner un petit peu en... Gne, pétasse. Je vais la faire tourner en... Gne. Je m'éclate avec là. Donc du coup de mon côté je vais faire ce qu'il faut. Alors ici j'ai encore une spectrale. Je vais leur foutre avec ça.
Spectral 2 et mythique. Ok, celle-là, celle-là. Ok, très bien. Ici, j'ai une autre spectral. J'ai une Ender que je fous à une Ender mythique. J'ai encore deux Ender. Que je fous ça là-dedans parce que j'en ai plus besoin. Ici, j'ai une Ender mythique que je fous avec une Ender. Et j'ai une autre Ender mythique que je scanne pour savoir dans quelle rangée elle est là. Ok. Ici pas besoin, ici pas besoin, ici plus besoin, plus besoin, plus besoin, plus besoin. Ok, je l'ai fait tourner en boucle cela en fait. Hein. Voilà, comme ça j'ai des combes supplémentaires. Hop, hop. Pourquoi j'ai une pourvoyée de frame? Bon bah tant pis. Du coup, celle-ci, je vais les scanner juste pour mon truc. En fait, je veux chercher ce que c'est réanimation. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme effet réanimation. Si j'arrive à voir une queen en réanimation, ou l'effet réanimation, hein, ça pourrait être vraiment fun d'avoir l'effet réanimation. J'ai regardé sur le wiki, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Réanimation, je ne sais pas. Absolument pas ce que c'est. Alors là, je suis en train de remplir la spatiale et la spectrale, le sérum hein, en question, que je vais foutre, bon, même la spatiale en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, je prépare moi de mon côté 4 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, ou même 4, 4. Ouais, ça sera plus simple en fait. Hein. Je vais en. Alors, c'est 4 quoi? 4 spatiales? 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 4 spatiales. Spectral. Le spectral, c'est les drones. Les drones de spectral. Du coup, je vais là. Je fous le gène. Et je fous les 4 requis. Voilà. Et puis, je vais faire tout ça. Et on se retrouve juste après. Bon, bah, moi, de mon côté, je suis en train de reprendre là actuellement. Je suis en train de rechercher la spatiale Specie Serum. Donc là, c'est sa dernière étape. Voilà, je l'ai récupéré. J'ai pu récupérer le gène Réanimation Effect. Alors, Réanimation Effect a pour effet que lorsque l'abeille est en train de travailler, permet de faire spawner des zombies, squelettes, creepers, ghasts, withers, squelettes. Dans son rayon d'action. Sa petite farm. Très facile en plus. Vous foutez ça dans un. Par exemple, on va dire que ça, c'est incrusté de murs. Voilà. Vous faites tourner une abeille dans le mur, comme ça, en boucle. Pour pas qu'elle meure, vous faites les gènes ce qu'il faut. Et vous ne mettez pas maximum de fertilisation, comme je le fous ici, voilà. Qui permet de générer 4 drones à chaque fois. Vous n'en mettez pas du tout, ça veut dire qu'il n'y en aura qu'un seul qui tourne en boucle. Donc il n'y aura pas de problème et vous faites comme quoi il n'y a pas de. Que s'il y a un surplus d'un gène en question, vous le faites tomber. Vous foutez ça dans le void. Et quand elle va travailler, chaque abeille va faire spawner un mob aléatoire dans son réseau. Et vu que c'est des murs tout autour, bah, ils vont tous spawner au milieu. Du coup, vous foutez des grinders tout au fond, ou pas, hein, avec une chute d'eau si c'est très haut. Vous faites ça dans un chunk loadé, donc avec un petit chunk loader, et puis vous les attendez, et ça ferme tranquillement. Nos problèmes. Alors, j'ai récupéré ma première spectrale. Elle a aucun gène parce que c'est à partir d'une roquille, donc ça, il n'y a aucun souci. Faudrait quand même que j'arrive à les avoir. Tranquillement sans problème. Âme normale, hermétique, spectral, c'est Ender machin. Bon, hop. Tuc, hop, ok. Hermétique, et celle-là, Ender, Ender. Ender, Ender, c'est la normale. Bon, celle-là, elle est faite. Du coup, je fous la spectrale en bas. Ici, je vais tous les prendre. Et toutes les prendre. Hop. Comme ça, elle va là où qu'il faut. Elle veut pas. Elle non plus. C'est une faste. En fait, c'est la vraie, celle-là.
Bon, pas la vraie, hein, quoique. Mais c'est quoi qu'elles ont Fast Lower machin. Fast Test. Ok, elle est plus rapide celle-là. Eh ben, je vais la faire tourner un peu en boucle celle-là, tiens. Celle-là, non. Celle-là, je vais la faire tourner, voir ce qu'elle peut me donner, si elle peut me donner le gène Fast Test. Si elle peut, tant mieux. Si elle peut pas, bah tant pis. Hop, et on continue de ce côté, on ramasse ça. On ramasse le quartz qu'elle génère. Bah là, je m'en fous. Donc ça, je fous sa poubelle. Hermétiste Ender. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est avec Ender. Je les ai foutus poubelle. J'aurais dû juste en garder un. Voilà. Ou plutôt en garder une. Ouais. Donc, du coup, je fous celle-là et celle-là. Hermétique Ender. Tu veux pas aller avec celle-là, tiens? Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Du coup, absent. Alors, on prépare les frames qui peuvent être utiles pour éviter tout souci supplémentaire. Ok, c'est une bonne celle-là. Hop. Qu'est-ce qu'elle a dans les dents? Ok, c'est la première. Celle-là, je la vire. Celle-là, bah, je vais la garder. Je vais la foutre ici temporairement. C'est pour la mettre plus tard. J'ai d'autres hermétiques ici. Donc, oh la vache, j'en ai encore tout plein ici. Oui, c'était austère. Hop, je vais te foutre poubelle, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'autre dans le désert. J'avais complètement zappé. 36 c'est suffisant, donc il n'y a aucun problème pour ça. Ça aussi, ça, elle est en train de se terminer. De ce côté, elle est bientôt morte, elle, c'est cool. On va aller. Alors, les quelques frites, c'est peut-être parce que je suis en surcharge de RAM. Effectivement, je suis légèrement en surcharge de RAM. Et en plus, il pleut, c'est génial. On va passer dans le portail. Voilà. Ah, bizarrement, les frames, c'est mieux, en fait. Hein. Non, c'est la ville qui bug, en fait. Hein. C'est pas comment? Les Crystal Chests hein, qui font laguer, pas du tout. Hein. J'en ai juste deux, donc c'est pas eux qui font laguer, c'est des problèmes internes. Du coup. Hop. On va toutes les récupérer. Celle-ci, bah, elle tourne toujours. Ouais, bah, ça va, elle génère bien. Austère, alors unstable, cool, unstable, stable, unstable, génial, unstable, unstable, et unstable. C'est celle-là, unstable, non, c'est celle-là, ouais, unstable, stable. Donc du coup, c'est celle-ci, ok. Alors, je vais la foutre en boucle. Permettez, madame, merci. Vous avez aucun gène, et évidemment, aucun gène. Et bah du coup on va foutre celle-là. Voilà. Je vais garder celle-là. Celle-là, je vais les prendre. Ou avec les comptes, tiens. Hop, on va tout prendre. On va revenir dans le monde général. Voilà. Toujours les petits frises au début. Ça m'étonne pas de toute façon. On va pas foutre là, on va les foutre ici parce que j'en ai pas besoin, mais j'ai besoin de gènes. Ouais, c'est le gène normal donc je m'en fous en fait. L'autre côté, j'aurais dû les mettre dans des gènes standards en fait. Dans les apiaries standards. Parce que si l'autre y sort en étant gène non normal. Ça me fera une boucle de gène non normal. Et je veux le gène unstable parce qu'elle peut être intéressante. Du coup, ça de mon côté, je vais foutre ça ici. Tac, tac, tac. Ça, je les traiterai plus tard, hein, les combles là. Je les traite un petit peu en manuel. Temporairement. Réanimation. Réanimation. Fast, j'ai lesquels? J'ai maximum spectral, hermétique et spatial encore. Oui, j'ai les gènes très rares, je les multiplie. Hein.
pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Voyez-vous, s'il y a un problème de sérum que je puisse pas les refaire en boucle, bah, je préfère directement les avoir sous la main. Bon, on va y aller tranquillement. On va attendre, en fait. On va attendre. Humidité. Si j'ai le gène stable, ça m'arrangerait, en fait. Si je l'ai pas, ben tant pis, hein, je vais attendre. Mais ça m'arrangerait de l'avoir. Est-ce que j'ai du monde ici? J'ai les deux là, c'est magnifique. Du coup, une là, une là. Et j'aurai la dernière ici, et j'attends le reste. Rocky. Et non, Balboa. Ah, blague de merde, bonjour! Alors, eh tiens, on va voir l'abeille dehors là. Voir ce qu'elle donne. Du spatial et des ondes. J'ai perdu l'abeille en question. La spatiale. Ouais. C'est. Ah, dommage, dommage. Dommage, tant pis. Je la referai tourner plus tard. Je crois qu'elle a même pas le gène, mais elle a des gènes complètement modifiés, l'end. C'est pas très grave. Girl Gravity, Gravity et Gravity. Et vous voyez les comment les points sont complètement différents. Bon, peut-être qu'elle va me redonner des gènes normales. Donc je vais la foutre avec une Ender. Ok. Mais arrête, putain. Mais mec, se casse les couilles. C'est bon, t'as fini? Bon. Alors, ici, Oh putain. Non, mais non. Mais non. Ah, mais tu me fais chier, saleté d'abeille. Non. Gia. Non, mais. C'est bon? T'as fini? Ouais, c'est bon. Je me casse. Oui, je me casse, c'est bon. Je me casse. Putain, l'abeille, je te jure. Elle fait ça sur les players comme les mobs. Hein. J'ai quelques petits pranks comme ça, tiens, ça pourrait être intéressant. Et me dites pas dans le commentaire qui vous voulez que je prank avec ça, parce que j'ai une idée dessus. J'ai une petite idée dessus. Short, cab, humidité, slow, machin. Oh, unstable, unstable. Unstable effect. Gelé. Ah, je l'ai, l'unstable. Ça, c'est fun. Ah, par contre, si ça frise, ça va pas le faire. Ah ouais, il tombe. Oui, bon, ça, c'est en train de se faire. Fast, je vais le foutre là. Réanimation, je le garde. Je fous ça. Ceci est un effet rare, donc je vais le foutre là, quand même. Repulsion nous repousse. Explorer nous donne de l'XP, donc je ferai des abeilles à XP dans le sol. Hein. Pour ma part, personnellement. Austère. Austère, austère, austère. Ah bah oui, c'était l'abeille en trop. Pouf. Bonjour, voilà. Voilà, la première qui arrive. Elle est fast et elle est multiple. Pouf! Allez, voyons si elle va nous donner l'abeille ultime. Si elle nous donne l'abeille ultime, je la fais reproduire. Si je peux, je la fais reproduire en masse. Et j'attrape le gène et on pourra se faire nos abeilles. Nos abeilles de l'amour, de l'amour. Il y en a plus, il y a encore celle-là, donc il y en a encore pour 1 minute 45. Alors, ce pétrage, je peux l'enlever. Ça, c'est en train de se terminer. Peux la mettre là-dedans pour qu'elle se recharge plus tard. Bon, bah, c'est cool. 14, elle va se remplir. Fast, elle est terminée. Pouf, je peux la mettre là. Donc, ça va, j'ai quand même pas mal de gènes, hein. Ça, c'est que des effets particuliers. Et ça, c'est que des gènes principaux avec des doubles ici, hein. J'ai mis des doubles. Pour les abeilles spéciaux ou spéciales, spéciales, les abeilles spéciales. Et ça c'est ouais.
Donc elles vont travailler tranquillement. Celle-là, elle travaille tranquillement. C'est plutôt pas mal. Il reste 1 minute 15 pour celle-ci. Et je pourrais en faire une deuxième ou une troisième. Ouais, pour faire une deuxième. En deux. Ouais, peut-être en fait la télévision qui est en route. Du coup, j'ai une tente latence de merde. Ou elle est en train de télécharger un truc. Ça pourrait être fun aussi. Pas pour moi, mais bon. Du coup, ici c'est terminé. Ici, bah, ils sont en train de travailler tranquillement. Je vais la refoutre là. Ça me fait toujours des gênes en plus. Hein. Là, c'est une end. Ici, c'est la dernière end. Ensuite, je la vire. Ça va me coûter cher en frame en fait. Ouais, bon, en fait, elle m'a rien donné de plus. Hermétique. Hermétique. Ouais, bah, elle m'a rien donné en particulier. Maximum que je la fous là-dedans. Alors, normalement, elle doit faire qu'un seul passage parce qu'elle est déjà en excellente qualité. Donc, il n'y a aucun problème sur ce point. Normalement, hein, des fois il y en a deux, mais je pense qu'il n'y en aura qu'un seul passage. Voilà. Hop. Marque invalide parce qu'elle est déjà full. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Alors, celle-là, je suis en train de la faire tranquillement. Je vais chercher la deuxième. Voilà. Je vérifie quand même qu'elle a toutes ses fonctionnalités. Très bien. Je la fous dans le deuxième. Et elle va commencer à butiner. Il y a plein de couleurs de bleu partout. De partout. Trop content en fait. Du coup, ben, les deux dernières. Et puis, je vous reprends dès que celle-ci aura fini. Et on reprend sur celui-ci. Alors, je crois. Ouais, voilà. Elle termine la dernière, le dernier drone. Ici également, elle termine la dernière princesse. J'en ai rajouté. Du coup, celle-ci, ben, elle est en train de se terminer. Celle-là aussi. Et peut-être changer les frames. Je vais en commander en tout cas. Pour éviter les problèmes éventuels. Voilà. Et oh, excellent, excellent, la Quantum Princess, Princess plutôt, Princess. Ah, spectrale, spatiale, ah, spatiale, spectrale. Et celle-ci, téléporte. What? What is the fu? Elle a pour effet téléporte. D'où téléportation, mais elle téléporte quoi? Ah ouais, elle téléporte quoi au fait? Si j'ai un drone supplémentaire, je vais m'amuser à la faire tourner. Maximum et fast. Je vais la faire tournoyer. Du coup, je vais faire max. Je vais la foutre comme ça. Ah non, 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 elle me fout. Ah, ça va, elle a été aspirée de ce côté. Bon, bah, du coup, maximum out. Oh, je vais même la foutre fast ici, tiens, hop. Comme ça, tranquille. En clair, une fois qu'elle se fait mettre des gènes comme quoi elle doit donner 4 bébés à sa mort, elle est envoyée ici, qu'elle doit travailler vite, et envoyée ici, comme elle a déjà le gène de fast, elle va tomber directement ici. Voilà.
Du coup, celle-là est correcte. Je la refous dans une ruche. Pas celle-là, celle-là. Et j'attends son gène principal. Spectra spatial. Je pourrais la foutre avec ce gène-là aussi. Hein. Mais je préfère les garder, ceux-là. C'est deux gènes intéressants. Oh la vache, le coffre est déjà blindé. Commandons un autre chest. Bah, j'en ai déjà un stock. Voilà. J'ai encore une queen. Bon, cette fois-ci, je change les frames. La quantum, elle a deux fois téléporte. Ah, plus intéressant celle-là. J'ai le gène quantum. J'ai pas de gène là-dedans. J'ai pas de gène là-dedans. Je vais les garder. C'est laquelle que le gène quantum x2? Non, pas celle-là. Ok. Celle-ci, elle a le gène téléporte sur quantum. Très intéressant. Celle-là, du coup, je la fous là-bas. J'ai été chercher les émeraudes et les diamants là-bas. Il y en a deux stacks et demi d'émeraudes qui sont en train de se faire massacrer. Entre parenthèses. Hein. Oui, bah oui. Ah, ah. Ah la vache. Eh, t'as les gènes? What? Aïe. Mais non! Mais non! Elle me fait dégager la pétasse. Du coup. les gens qui passent à côté, ils se font dégager, mais littéralement, je me fous de leur gueule. Mais littéralement. J'espère que c'est pas un bug. Ah bah non, elle a pas son gène, son drone attitré. Il lui reste combien de temps? 40 secondes et c'est sa dernière charge. Bon bah on va attendre 40 secondes ensemble, même si ça fait pas beaucoup 40 secondes. Je fais pas d'ellipse pour 40 secondes. Si c'était encore 2 minutes, ouais j'en aurais fait une petite. Mais là non, pas envie. Ah, voilà. C'est la machine la plus longue, hein, la plus longue. Bon, Riddick, il sera content de moi du coup. Moi je suis déjà content de moi personnellement puisque j'ai réussi à avoir les quantum, les dernières abeilles de cette branche, parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Il y a d'autres branches. Je vais faire les creepers, je vais faire les zander, je vais comment je vais faire? En fait, je vais en faire beaucoup d'autres. Donc c'est pour ça qu'on va bien s'amuser. Je vais garder le fast et le maximum ici, tiens. Je vais récolter cela. La spectrale, elle va aller dans son abeille. Avec son abeille. J'ai deux quantum. Je voudrais bien obtenir des drones pour qu'elle puisse me donner le gène adéquat. Celle-là, je la garde à 100% sûr parce que c'est normal. Mais je voudrais bien que les autres en fassent autant. Ah, quantum. J'ai la quantum. Téléporte. Alors, je vais la foutre en fast et en maximum aussi. Voilà. Elle va se travailler tranquillement. Moi, je vais faire ça de mon côté tranquillement aussi. Et puis, je vais voir. Ah, Certus Combe. Elle a créé les premiers Certus Combe. Très intéressant, voyez-vous. Et puis je veux la faire tourner, tiens celle-là. Ah, c'est à moins que c'est elle qui a le gène. La gène téléporte, mais est-ce qu'elle. Ouais, elle est pas nocturne. Je vais la foutre là-dedans. Voilà, elle va travailler tranquillement. Celle-là, elle n'a pas de gène. Je peux la foutre là-dedans. Celle-là, je vais la faire réparer. Bah, pas réparer, mais traiter. Je veux qu'elle travaille celle-ci. Voir ce qu'elle va donner. Quartz et Certus Quartz. Elle a déjà les premières abeilles que je veux. Bah pas les abeilles, les principaux effets de cette abeille. Nuance. Nuance, nuance.
Mais en tout cas, j'ai officiellement pas le gène, mais les abeilles qui sont vraiment extraordinaires. Voilà. Bah sur ce, on va nous de notre côté, on va se laisser. Moi, je vais aller traiter la dernière celle-ci. Je vais la faire tourner un petit peu en boucle avec les deux différentes, comme elles vont en traiter plusieurs, elle va donner plusieurs bébés. Je vais les faire tourner en boucle. Je vais essayer de récupérer le gène. Et le gène aussi téléporte. Donc je vais voir sur le wiki aussi ce que c'est que le gène téléporte. Et une fois que j'ai ce gène là, je serai sans doute content. Donc du coup, bah merci de m'avoir regardé. J'aime bien ce tank liquide. Merci d'avoir regardé. C'était épée sur des abeilles. Lol, l'abeille, l'abeille, la grosse abeille. Hein, l'abeille qui tue. Allez, sur ce. On se dit à la prochaine. Eh oui, j'ai fait un screenshot. Lol. Bye bye.